Engagé, l'adjectif est important, vous avez raison. Constructeur et bailleur, on peut être les deux à la fois. Si ça donnait plus ce que vous construisez pour des personnes, des habitants, des concitoyens, vous allez ensuite accompagner durant toute la vie des bâtiments qui se situent aux environs de 50, voire 100 ans. Alors, on dit que le secteur de la construction redémarre. Est-ce que vous le sentez dans le département de l'Ain ? À ce jour, oui, si je prends les éléments de la CCI qui dresse les éléments clés des chiffres 2016-2017 sur le logement, Inacité, c'est 585 logements programmés, 120 logements sur l'accession sociale, 5000 logements pour la réhabilitation thermique et l'amélioration du cadre de vie du locataire. À ce jour, puisque quand on prend des projets de loi de finances, pardon, pour l'actualité brûlante, article 52, vous verrez que c'est... Le briard de ce soir, Sheldon va vous apporter l'enveloppe fatidique, n'est-ce pas Sheldon ? Alors, le lauréat... Pardon. J'ai manqué les deux voix. J'ai salué mon conseil d'administration présent dans la salle. Et vous avez également invité mon président Michel Perrault qui a été retenu. Pour ça, je n'ai pas manqué mes obligations. Le lauréat est l'entreprise Douzé. L'entreprise Douzé. Fabien, Fabien Dinota, le fils, et Philippe Dinota, oui. Le père. Voilà, tout à fait. Depuis 20 ans, la tête d'une entreprise avec mon fils. On dirait deux frères. Hein. Oh, c'est alors, c'est une entreprise familiale, une grosse entreprise de 60 salariés. Quels sont les chantiers que vous avez récemment réalisés dans la... Eh ben, je rebondis tout de suite sur une belle opération qui citait M. Gomez. À Ferney-Voltaire, l'État ouest. Très bonne validation. Je suis personnellement soutenu vos travaux, qui a duré un certain nombre de mois, été retardé pour diverses raisons, mais c'est un bel aboutissement. On a fait bien d'autres opérations, notamment à Méribel, à Beutrey, un quartier de 242 logements qui ont été résidentialisés. Combien de temps vous voulez pour faire 242 logements ? 242 logements, on a dû mettre au moins 36 mois. Ensuite, d'autres opérations de moins importance, comme le Coupil à Belliard-sur-Messorine, pour logement, des opérations comme. Déjeuner à Bélineux ou encore la barretière à Orléans-Mugey, une réaction de 100 000. Nous vous laissons vous diriger vers le merci beaucoup. D'abord, recevoir votre trophée. D'abord, oui, c'est important. Voilà, des mains de la troisième dauphine de Miss Pays de l'Ain, Pauline. On peut applaudir. Aline Roman-Manet, responsable du mécénat.